L'unité est une recherche, entre guillemets, personnelle pour un meilleur bien-être, pour un meilleur bonheur, pour une vie dont on donne un sens. Par exemple, le Reiki, la gestion de l'énergie universelle, fait partie un peu de cette unité. C'est-à-dire que les sept couleurs que l'on peut avoir dans nos chakras et qui ont une symbolisation spéciale et déterminée par des codes, par des couleurs, sont toutes importantes. Chacune est importante. Nul n'est à négliger, chaque couleur est importante. Aussi bien le rouge, concernant la sexualité, aussi bien l'orange, concernant le hara, aussi bien le jaune, pour le plexus solaire, que le violet, pour le spirituel, que l'indigo, pour le troisième œil, que le bleu ciel, pour la parole, au niveau de la gorge, que le cœur, le rose et le vert, aussi bien revenant au jaune sur le plexus solaire, pour pouvoir diffuser dans son corps une énergie universelle entre la terre et le soleil, l'être humain. L'unité est peut-être quelque chose à rechercher. On pèse le peut-être, car il est important aussi d'être tolérant et de ne pas éventuellement pécher par orgueil, comme pourrait l'avoir fait le Mahatma Gandhi, lorsqu'il souhaitait que tout le monde devienne comme lui-même, hélas. Il avait même dit, je pense, à sa femme qu'il n'aurait pas souhaité avoir connu l'amour. C'est vrai que c'était des paroles au-delà de ce qui était tolérable, hélas, et qui s'est permis, en ce sens, c'est un péché d'orgueil, hélas, bien qu'il y ait eu des manifestations comme la non-violence, concrétisées par des marches du sel, par exemple, dans son époque, dans son contexte historique et économique. L'unité est quelque chose qui demande un travail spécial, une gestion de l'énergie, je dirais pas draconienne, mais quand même qualitative, pour pouvoir approcher cette autre chose, ce moment où la mort, à la limite, n'est qu'une simple formalité, où la vie devient un luxe, où la vie est de parti pris heureuse et de parti pris sereine, où la vie devient luxe et le monde finalement est un monde heureux, puisque c'est un monde mental personnel, puisque la représentation mentale du monde est différente pour chacun d'entre nous. Par exemple, un reportage télévisé sur une société ou un thème apporte un point de vue. Bien entendu, la société occidentale apporte un point de vue négatif, entre guillemets, mais bon, là c'est plus un registre de quatrième pouvoir pour pouvoir éventuellement rendre les gens malheureux et ne pas éventuellement les laisser penser et prendre du temps disponible de leur cerveau afin qu'ils ne se révoltent pas et ne cherchent pas à évoluer. Mais bon, ça ne se dit pas. Considérer que cela ne s'est pas dit. Voilà, l'unité, tout simplement, est un travail spécial et demande une gestion spéciale du temps et spéciale de l'organisation de sa structuration mentale. À Salon de Provence, à la campagne, voilà, aujourd'hui, la patrouille de France s'est tue. C'est une bonne chose. C'est la fête du travail, donc on chôme.
comme un dimanche, pourquoi pas peut-être, on regarde en arrière un petit peu et on regarde ce qu'on a fait dans la semaine. Mais pour regarder ce qu'on a fait en arrière, il faut savoir s'arrêter. Voilà, donc un compromis entre la psychologie, le social, l'historique et l'économique pour l'ici, s'adapter dans le présent, est une façon de voir aussi le monde, une façon peut-être cataloguée comme philosophique, certes, mais une façon de voir le monde serein, plutôt heureux, plutôt en bien-être. Voilà, je vous remercie de l'écoute. Et puis, pourquoi pas avoir un peu votre sentiment ou vos avis sur les thèmes abordés lors de ce film. Pourquoi pas vous rencontrer un jour.